bien cette fois c'est Wonder Girl qui a des soucis. Visiblement il y a Gargantar et Circe qui lui font la misère. Donc j'ai fait quelques quêtes, regarde quelques quêtes. Assez agressives avec des mobs qui font très mal, je crois que je suis mort au moins 5 fois. Donc c'est pas si simple, hein. Plus j'avance et plus les mobs ils sont tanky. Donc maintenant on va essayer. J'ai pris une quête annexe, récupérer le miroir de Narcisse. J'espère que c'est dans l'immeuble, parce que sinon il faudrait que je cherche ailleurs. J'ai réussi à choper une nouvelle compétence qui est sur ma barre, la numéro 4. Vous pouvez la voir tout en bas. Visiblement elle charge au fur et à mesure qu'on tape. Giganta voulait posséder mon propre corps. On va laisser parler Wonder Girl, après je finirai. Circe a dû lui promettre pas Wonder Girl. Wonder Girl. Connaissant Giganta, son avidité et son impatience vont lui faire gâcher le rituel. Reste sur tes gardes. Une erreur pourrait les condamner. Ok, c'est chaud. Ouais, donc la compétence 4, visiblement, c'est une jauge. Je me demande si c'est pas de la rage. Et une fois que ma rage est claquée, mon perso devient super vénère. Je vous en supplie, vous devez m'aider. Mes hommes sont là-dedans et j'ose pas imaginer ce que cette Circe et ces monstres leur ont fait. J'irai bien, mais j'ai une femme et des gosses. Ouais, ouais, moi aussi. Mais j'ai pas de femme et j'ai pas de gosses. J'ai une femme tout court. Hein. Putain, ils font mal ceux-là. Je vous en supplie, vous devez m'aider. Mes hommes sont là-dedans et j'ose pas imaginer ce que cette Circe et ces monstres leur ont fait. J'irai bien, mais j'ai une femme et des gosses. Je la fiote. Alors, on va vaincre les malins choses. C'est un autre super-héros qui a mis misère ou quoi? Qu'est-ce qu'il est moche, nom de Dieu! Général mes couilles, ouais! En fait, c'est le général Groin. Ouais. Ils sont tanky en plus, ceux-là. J'espère qu'il respawn pas, je crois pas. Est-ce qu'elle m'aide l'autre? Si je l'aide. Ouais ouais. Ça va, il y a des hoplites. Quand je le déglingue en l'air. Alors il y a le général à la con. Je le ferai après. Journal du préservateur. Cette griffe ne provient pas d'un loup quadrupède. Qu'est-ce qu'ils prennent cher avec ce coup-là? Ça me sauve aussi un peu. Les trucs qui s'appellent les bétamorphes corbiesques. Je sais pas si c'est un rapport avec Corbier. Je pense pas, hein. Je pense qu'il n'y a aucune référence. Ah, il y a un agent de police là. On va l'aider. Salut Coco. Alors, voyez tout en bas, sur le 4. C'est qui me tire dessus? Okay. J'ai mon truc qui est chargé. Ce serait con d'utiliser sur les deux plots là. Voilà, on va aider celui-là. Oh, il y en a 4 à trouver. Dans l'autre pièce sans doute. Allez, on dégage les gros. Moins. Ça c'est cool ce coup là. Faut le passer. Encore un. Deux. Allez. Ils en veulent ou quoi? Vous
Voilà. Comme ça, je sauve le dernier flic. Merci, on fait du coca. On se retrouve au commissariat. Attendre de recharger. Alors, faut trouver Gigantum, mais avant, faut se faire le général Tétitus. Le général Gros Cochon. Voilà. On va le chauffer un peu. Ça, c'est à chier. Tiens, je vais lui balancer un pot de fleurs pour voir comment il réagit. Voilà, j'ai énervé. Alors là, je vais claquer mon CD. Si je peux. Voilà, je suis vénère. J'ai plus de CD. Hein. En fait, il a l'air pourri quoi. J'ai mis mon CD pour rien, parce qu'il est pourri. Bon, ça m'a validé ma quête, ça c'est plutôt cool. N'attends aucune pitié. Oh, il sort d'où lui? Voilà, bonne petite série là. Il a bien pris cher. Je vais t'aider à trouver Wonder Girl. Ah, sympa. Journal du préservateur. Par chance, chaque relique récupérée nous aidera à inverser le maléfice de Circé. On va défricher un peu pour les filles. Bon allez, ça m'énerve. Un coup de CD, sort de tout blaster. On voit pas grand chose, je suis contre le mur. Voilà, c'était clean. T'as pas l'air bien toi. Je combats à tes côtés contre Giganta. Pas de soucis. Oui, une caisse. Alors là, on va faire l'étage avant. Ouh, bien joué. Comment s'est faufilé derrière un truc? Bon, y a rien à l'étage, je dis des conneries. Hop là, on va descendre. Ouh, là y a un gros. Ça va être sympa. Alors, avec le stuff que j'ai trouvé, ça a changé un petit peu le look de mon perso. Je sais pas à quoi elle ressemble, mais elle a l'air vénère. Bon, faut buter Giganta. Oh ouais. Tu arrives trop tard. Le rituel a commencé. Je vais maintenant transférer mon esprit et mon pouvoir dans le corps de Wonder Girl. Ah oui, mais non, ça va pas le faire. La force des dieux sera enfin mienne. Oui, mais non. Je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme si tu avais mis des crochets dans mon nez. Ça marche. Ça marche. Je sens son pouvoir me parcourir. Ouais, au niveau de la cinématique, il n'y a pas des, y a des petites synchros étranges. Perturbe les cristaux de transfert, ok. Bon, on les pète. Oh, tu vas te calmer tout de suite, toi. Si je volais, ce serait plus facile. Ça la ferait chier.
J'ai pas l'impression d'y faire grand chose en fait. Malheureusement. On va péter les jabords les cristaux. Bon, sans là, elle me poursuit. Je pense qu'elle est pas très contente. Encore 4. Allez, un petit coup pour Giganta. J'aurai mon CD bientôt. Non, voilà. Ce corps m'appartient. Plus maintenant, non. Ce qui m'arrange, c'est... Allez, que je là je suis vénère. Je te mets les sales coups. Avec l'énorme popotin que tu... Aide-moi, Wonder Girl. La taille a son importance. Wonder Morveuse. Peut-être qu'un jour tu le réaliseras. Vraiment, je tank, Wonder Girl. Je pourrais pas tanker infiniment. Hein. Allez. C'est pas une bonne idée de m'énerver. Quand je m'énerve, je deviens incontrôlable. C'est bon, elle me la tient. Ça, c'est plutôt cool. Chercher de la vie, j'en ai vu qui traînait. Oh, c'est du feu. Bien joué. C'est n'importe quoi. Voilà, il y a de la vie. Puisque tes séances de groupe en prison n'ont pas l'air de pouvoir marcher, que dis-tu d'un traitement de choc? Ouais, c'est bien parti là. À moins qu'elle me fasse une saloperie pour la fin. Pas un truc de soin. Non, ça c'est du feu. Oh, je suis stun. Oh, t'arrêtes tout de suite. Ça c'est pas cool. Je vais la geler pour le plaisir. Tu me sembles en baisse d'énergie sans tes pouvoirs, Giganta. Allez, une petite recharge. Cadeau de la maison. Allez, j'ai presque mon CD. Je peux tout le finir avec. Bon, je l'aurais fini avant, je pense. C'est fini. Bon. Oh, ça va, c'était pas très dur. Non, d'abord. Mais non, ah non, ah ça je veux pas. Il y a ça à débloquer. Journal du préservateur. L'incantation sur cette écaille est un genre de magie noire. Ça y est, j'ai réussi à me décider. J'ai utilisé un pouvoir emblématique, un pouvoir d'un autre héros plutôt que de mettre un truc de glace. Visiblement, c'est un truc qui me restaure ma santé. Je regarderai ça tout à l'heure. Déjà, on va finir la quête. C'est bon de se retrouver dans son corps. Je déteste les menteurs. Tous ceux qui trichent ou volent, ou essaient de pousser les autres à bout, ou de pousser les autres à accomplir leur volonté. Juste parce qu'ils sont plus forts. Mais je les déteste encore plus lorsqu'ils essaient de remodeler le monde entier à leur image. Lorsqu'ils utilisent leurs stupides mensonges pour réduire les gens en esclavage. C'est là que je me déchaîne comme une véritable Amazone. C'est vrai que force ne fait pas loi, mais parfois, ça aide. Ça, c'est le truc que j'aime bien dans les missions. C'est galère parce qu'il faut valider des quêtes. Mais à la fin, il y a un donjon et puis une petite cinématique bien sympa avec un des personnages des DC Comics. Et ça, c'est plutôt cool. Hein. Allez, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve très vite sur Staff Live.